C'est bien vous qui avez ouvert la porte du stade annexe. Quoi? La porte du stade annexe pour oui. que les manifestants se sauvent. C'est vous qui avez ouvert cette porte-là? Oui, bon, je dirais comme ça. D'abord, ça a été cassé, mais il y a un groupe qui était venu, c'était barricadé. Et puisque en matière de maintien, donc, quand la foule est compacte comme ça, il faut avoir, parce que les gens ne pouvaient plus venir sur l'esplanade parce qu'il y avait de la débandade, ils pouvaient être récupérés. Donc, on a ouvert là-bas une issue de secours, les gens se sont sauvés de par là-bas. Mais sincèrement, quand les gens, les militaires sont venus, sincèrement, nous, on n'avait plus le contrôle. Je ne peux pas vous dire que j'ai commandé par-ci, j'ai commandé par-là. Moi, j'ai attendu que tout finisse pour appeler mon chef pour venir constater et j'ai rejoint la base. D'accord. Et parlant toujours de ces militaires-là, qui dirigeait ces militaires-là qui étaient venus dans les deux camionnettes? Qui les dirigeait? Maître, vous voyez, c'est cette discussion-là, tout de suite-là que je faisais avec votre confrère, je ne peux pas mentir, je viens de prêter serment. Vous savez, diriger, j'ai été chef de section, chef de groupement, commandant de compagnie. Si on gère un groupe, d'abord pour descendre du camion, c'est sur instruction. Et quand vous descendez, selon le règlement, vous devez évoluer dans l'ordre, soit en ligne. Et vous, mais personne ce jour-là, j'ai vu les gens sauter, descendre. Je ne peux pas vous dire, c'est Paul ou c'est Pierre qui a dit, bon, bougez, allez-y faire ça. Non, je ne peux pas vous mentir. Ce que j'ai vu, ce que je vous ai dit. D'accord. Mais ces bérets rouges-là sont arrivés au même moment que Toumba et Marcel. Dans le même temps. Dans le même temps ou bien au même moment? Bon, quand vous dites au même moment... Quand les camions ont garé, pendant que les gens descendaient, si le commandant Toumba et Marcel descendaient du groupe et allaient ensemble, je crois, je passe sous votre contrôle, c'est ce qu'on appelle au même moment. Mais pendant qu'ils sont descendus, ils sont en train d'aller au stade, je tourne, je vois le commandant venir à Pagéan pour les rejoindre dans le stade. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle au temps, donc, pour ne pas encore tomber dans le piège, je dirais comme ça. Vous avez vu les bérets rouges, vous ne pouvez pas nous dire qui était à leur tête. À leur tête, ça sauf jugement. D'accord.